Oui, déjà, ça a été une satisfaction d'être parmi les jeunes frères. Et pour moi, c'est un plaisir de venir encourager une petite sœur à nous dans son projet. Le plus important, c'est que ça grandisse. Je suis satisfait aujourd'hui qu'elle puisse émerger. Et pour moi, la façon de lui dire merci, c'est d'assister à son événement. Moi, te trouver assez humble pour le futur, c'est comment? Oui, déjà, comme je dis toujours, il faut qu'on soit humble parce que. Moi, l'humilité, c'est la clé chez moi. Et les choses à venir, je pense que grâce à Dieu, et le Seigneur va me bénir pour que je continue à satisfaire les personnes qui me soutiennent, même ceux qui ne me soutiennent pas. S'il y a lieu à les satisfaire, je me ferai. Oui. Maintenant, en cette période de Covid-19, est-ce que la forme est? Si vous-même vous l'avez constaté, je travaille deux fois par jour pendant 6 jours. Donc j'ai 2 séances matin et soir. Je maintiens le corps parce que vous savez, on a le championnat qui va reprendre d'ici peu. Donc il faudrait qu'on se remette en forme avant de travailler avec le collectif. Parlant du championnat, ça a commencé, c'est comment votre, le futur, vous jouez prochainement? Non, là ça reste un secret professionnel. Mais je pense que j'ai des propositions, que ce soit à l'extérieur, que ce soit sur le plan local, mais comme j'ai dit, ça reste professionnel, c'est un secret professionnel. Ça veut dire que l'union, c'est comment exactement le mariage est en train de... Non, je suis en bon terme avec mon club, c'est mon club. Vous savez, comme j'ai toujours dit, j'ai pas eu de problème avec cette équipe, mais comme j'ai dit, il y a des propositions à l'extérieur, j'ai des propositions dans d'autres clubs ici. Donc pour moi, je suis encore en train de... Mon manager est en train de travailler pour ça et je pense qu'à la fin de ce mois, on aura un bon résultat sur ce que nous sommes en train de faire. Merci et bonne soirée. Merci.